La tranquillité, la parfaite, l'infini, la totale, l'absolue tranquillité. Rien ni personne pour venir me déranger pendant toute une semaine. Allez, ouste les abeilles. Oh, c'est pas vrai. Ouh, allez, fichez le camp. Aïe, non, arrêtez. Ah, ouh, non, aïe, stop. Ah, ça suffit. Ah, Cranky doit apprécier de se la couler douce pendant une semaine. Ouais, peut-être bien, Didi. Mais à mon avis, il n'a qu'une seule envie, c'est de rentrer au plus vite. Parce qu'il n'y a personne pour râler? Ouais, t'as deviné, il peut pas râler. Alors, qu'est-ce que t'as envie de faire aujourd'hui? Yo! Moi, Tankey, mon pote! Didi, mon pote! J'avais envie de faire du surf! J'ai trouvé un nouveau moyen! Wouhou! Keke, ce courant d'air! Allez, bien, Didi! Funky a raison! Il faut savoir vivre dangereusement! La vie doit être une aventure! Yeah! Est-ce que ça va, Dunkey? Ouais, sauf que je suis tombé sur un truc qui me fait mal. Oh, une vieille bouteille. Oh, regarde, il y a un message à l'intérieur. Un message d'une de tes conquêtes? Non, c'est pas un message. C'est une carte. Et c'est pas une carte ordinaire. Regardez, regardez, une piste qui mène à un grand X. Dites, on peut traverser toute une île pour un grand X? Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de mots avec un X, il n'y a que xylophone. Ou accepter. Ou axe. J'y suis, c'est un trésor. Il n'y a pas de X dans le mot trésor, Didi. Oh, mais je sais, je vous dis que c'est une carte au trésor. Le X indique son emplacement. Trésor? Gloire? Fortune? Je peux pas y aller. Oh. J'ai un rendez-vous avec Candy. Faut pas manquer une occasion pareille. Ne pas y aller, ce serait une grave erreur. Tu pourrais te faire ta place au soleil. T'aimerais pas vivre en t'offrant le meilleur? Non. Redescends un peu sur terre. L'aventure t'attend, perds pas ton temps. T'auras plus à craindre la misère. Alors Donkey Kong, tu trouves ça tentant? Bof. T'aurais une case sous les palmiers où tu recevrais tous tes amis. Tu pourrais avoir ton bananier. Tu pourrais payer ce que tu veux à Candy. Un cadeau pour Candy. Allons chercher le trésor pour nous en mettre plein les poches. Allons chercher un peu d'or, comme ça on n'aura plus la cloche. Fais démarrer ton avion, Funky. Oh. Je suis certain d'avoir perdu cette pièce quelque part par ici. Ah, en avant pour la chasse au trésor. Un trésor? Je suis à deux petits doigts, si j'arrive avant eux, de devenir le singe le plus riche de tous les habitants de cette minuscule île de Congo Bongo. Même si je le suis déjà. Ce pauvre imbécile de Donkey Kong sera plus que ravi d'échanger n'importe quel trésor contre une camionnette pour transporter ses bananes partout où il va. Hey, où est-ce que Donkey va comme ça? Candy, oublie tout ça. Tu ne les as pas vus, ce n'est qu'une hallucination. Tu as l'impression de les avoir vus partir à la chasse au trésor. J'ai rien dit. Il m'a posé un lapin pour partir à la chasse au trésor. Ça alors, je n'en reviens pas. Mais quel Candy, culot. Chasse au trésor. Tu saisis? Trésor? Il part à la chasse au trésor. Écoute, Candy, en tant que directeur de l'usine... Alors, Bluster, on décolle ou il faut que j'apprenne à piloter en 5 minutes? Vous avez fait le bon choix. Plus que 5
son poing et vous allez battre votre record. C'est formidable, ma majesté. Oui, ça y est, j'y suis presque. Allez! Ici le général Cobb, votre majesté, vous me recevez bien? Ça n'a pas l'air de bien aller. Ah! Majesté, vous êtes là, majesté? Oui, un instant, c'est pour vous, ma majesté. Il y a eu des interférences sur la ligne, mais ce n'est pas grave. Vous irez mieux quand vous saurez ce que j'ai à vous dire. Contentez-vous de me faire votre rapport sur les singeries de l'île, espèce de gros parasite qui m'empêche de battre mon record. Mes hommes m'ont signalé que Donkey Kong et ses amis se dirigent vers la mine de la montagne pour une opération secrète, chef. La mine de la montagne? Qu'est-ce que ces singes vont chercher dans la mine de la montagne? Peut-être des cailloux. Des cailloux? Bien sûr. Comme celui qui remplace ton cerveau. Que cherche-t-il, Clump? Un trésor, chef. Et vous savez quelle sorte de trésor? Des cailloux? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Stupide sac à main sur pattes! Il est évident qu'ils ne vont pas chercher des cailloux, ni du charbon! Je suis certain que ce trésor est un dispositif démoniaque capable de réduire en cendres toute l'île! N'importe quel crétin le sait! Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Que les singes avec ce dispositif démoniaque vont asservir tous les habitants de Congo Bongo et qu'on va probablement finir en valise ou en chaussures, majesté. Vous savez, moi, plus rien ne me surprend. Mais cela n'arrivera jamais! Nous allons prendre ce trésor avant que ces babouins s'en emparent. Et moi, King Karul, pourrai enfin exercer une domination totale et cruelle sur l'île Congo Bongo et peut-être même au-delà. Chef, vous m'entendez? Chef! J'en ai assez, suffit! Occupe-toi de lui, crochet! Ou alors c'est qu'il le tient à l'envers! Chef, vous tenez le combiné à l'envers, retournez-le! Chef! Oh, je vous cause! Vous boudez! Chef, répondez quoi? Mais les tours ou quoi? Hey, arrêtez! T'inquiète pas pour ça, reste cool, Didi. Je vais arranger ça. Wouah! Oh, banane par-dessus bord. Funky, t'as rien pour mettre les bananes? Tiens, c'est la première chose que j'achète quand on aura le trésor. Avec tout cet argent, je vais pouvoir retaper ce vieux coucou à l'œuf. Wow! Regardez-moi ça! Je n'avais jamais vu de nuages verts avant. Enfin, peut-être une fois. Eh, mais d'où ça vient, toute cette eau? Non, c'est pas de l'eau, Funky! C'est le ciel! Ouh, on est en train de voler à l'envers! Sans blague! La première chose que je devrais m'acheter, c'est un compas, je crois. La première chose que je m'achèterai avec ma part de trésor, c'est l'usine de tonneaux. Quoi, tatar? C'est mon trésor, je t'ai emmené pour te faire plaisir. Faites attention, Bluster, vous pourriez vous retrouver au chômage en rentrant. Attendez. Encore faudrait-il que je te vende l'usine? Attendez, silence! Hein? Excusez-moi, mais ils sont partis de l'autre côté. Alors, vous voulez du jus de banane? Ben, vous pouvez l'avoir, j'en veux plus. Ah, maintenant plus rien ne pourra gâcher le reste de mes vins. Des fourmis? D'abord les abeilles, maintenant les fourmis. Sale bête! Prenez! Rendez-moi à mon déjeuner! Oh! Je veux ce trésor! Je veux ce dispositif démoniaque! Ces imbéciles de singes savent peut-être se déplacer à la surface de l'île, mais personne ne connaît les sous-sols aussi bien que King Karul! À gauche, Krusha!
Allez, imbécile, je voulais dire tout droit. Oh. Ça a l'air plutôt escarpé en dessous. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu crois que tu vas arriver à nous poser, Funky? T'inquiète, Donkey. Panne sèche. Panne sèche. Paniquez pas, les mecs. Sans essence, le moteur marche plus, mais je peux nous faire planer comme ça toute la journée si je veux. Regarde, Funky, c'est là l'entrée de la mine. Accrochez-vous à vos bretelles, les copains. Attends, j'ai pas de bretelles. Tant pis, Donkey. Il y a des bras sur ton truc. Pas besoin. Tu vois? Tremblement de terre? Ou alors un dragon qui garde le trésor? Non. Mon estomac, ça fait une heure que j'ai pas mangé. Je serais prêt à échanger ma part du trésor contre un énorme régime de bananes. Il faut que tu tiennes bon, Donkey. Si j'en crois à la carte, le trésor se trouve à 300 pas devant nous. Et qu'est-ce qu'on fait après? On cherche une marque en forme de X. Il y a sûrement de nombreux dangers tapis dans cette vieille mine sombre. Il serait donc plus sage que vous m'attendiez ici pendant que je... Candy, regarde, c'est l'avion de Funky. Nous sommes sur la bonne piste. Allez, viens, Dixie, notre trésor nous attend. Mon trésor, il est à moi. Dès qu'ils le trouvent, nous leur volons un coup de dispositif démoniaque et à nous l'île. Ça y est, Congo Bongo va enfin être à moi. Reste à faire, c'est de le trouver. Ah, si le trésor était une belle truffe et que nous étions des cochons. C'est inutile. Sans banane, j'ai les muscles en guimauve, je suis bon à rien. Oh, je ne trouverai pas le trésor même si je tombais dessus. Donkey, tu l'as trouvé, t'as trouvé notre trésor. Je savais que je le trouverais. Je vais pouvoir acheter à Candy le plus beau des cadeaux. Merci, Donkey Kong. Mais je vais pouvoir me l'offrir toute seule, l'usine de tonneau. Comme ça, je n'aurai plus besoin d'y travailler. Oh non, pas question. Je vais acheter toute l'île de Congo Bongo. Comme ça, tout le monde travaillera pour moi. Désolé, mais vous faites erreur. Faut que je répare mon avion. Après l'atterrissage que nous venons de faire, il a besoin d'une petite révision. Mais Candy... L'usine de tonneau. J'achète tout, Congo Bongo. Mon avion. Mon dispositif démoniaque. Si ça ne vous dérange pas. Dispositif démoniaque? Hein? Dispositif démoniaque? Pas très cool. Laissez-moi vous expliquer, d'accord? Vous me trouverez sans doute pessimiste, mais sans ce dispositif, je crains fort que ma conquête de l'île ne soit l'éternel recommencement de ce qui se passe depuis des années. Alors qu'avec ce dispositif, je prendrai le pouvoir en un jour, simplement en vous menaçant de faire sauter l'île de Congo Bongo. Ce que je ferai peut-être malgré tout, car comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange quand on a faim. Fini de jouer. Vous vous éviterez des ennuis en me remettant le dispositif afin que je puisse vous réduire en esclavage à tout jamais. Vite, les dictateurs n'aiment pas attendre. Donnez. Trop tard, face de lézard. Les filles sont parties avec le trésor quand tu as commencé à faire ton discours barbant. Crouchin, le wagonnet. Poursuis-les. Pas sans moi, imbécile. Tétard, sans cervelle. Préviens quand tu freines.
Didi, si ce trésor est vraiment ce que raconte Caroule, notre seule chance de sauver Candy, Dixie et tout Congo Bongo, c'est de rattraper les filles avant lui. Allons-y. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. T'as entendu, Donkey Kong? Si on veut sauver Congo Bongo, faut y aller. Compris? J'ai bien peur de ne pas être d'une grande utilité avec les dispositifs démoniaques. Est-ce que t'as entendu ce que disait Caroule? On s'en fiche! Je le connais, je serai la nouvelle propriétaire de l'usine de tonneaux avant qu'il ait fini son discours. Ce trésor-là m'apportera la paix, la liberté, plus de patron. Diamant, plus besoin des garçons, et je ne travaillerai plus jamais. Pas si vite, maintenant le trésor est à moi. Mon destin va s'accomplir. Grâce à ça, je vais enfin devenir le roi. Cette fois, ça ne peut que réussir. Désolé de devoir vous décevoir, mais comptez sur moi, je vais pas vous laisser faire. Congo Bongo ne sera pas en votre pouvoir, et on sera tranquille pour une semaine entière. Sacré bonsoir, bonsoir, je déteste ça. Quelle dépassion pique ce machin-là. Il faut surtout que je pense à moi, que je sauve ma peau. Drôle de trésor, c'est pas rigolo. Mon plus grand désir, c'est que l'usine soit à moi. Quel luxe merveilleux et quelle joie. Je serais un grand héros si je sauvais cette île. Les plans de King Caroule, je les bousille. L'idée de mon décès me déplaît beaucoup. Faut que je me tire d'affaire, ça vaut le coup. Ce petit pari est à moi, va te faire voir. Salut le nouveau pouvoir. C'est à moi. Tenez, c'est à vous. Ah ah. Allez, viens voir papa. Ah ah. Ah. Oh. Très bien, Donkey Kong. Qu'est-ce que tu as fait de mon trésor? C'est pas un trésor, Candy. Oh, mais il a tout compris, bravo. C'est mon dispositif démoniaque. C'est un truc dont il veut se servir pour prendre le pouvoir à Congo Bongo. Eh bien alors, reste pas planté là? Remonte tes manches et montre à ces affreux ce que c'est qu'un gorille en colère. Je peux pas, Dixie. Oh. J'ai pas eu ma ration de banane aujourd'hui. Mon jour de gloire est arrivé et personne ne pourra plus m'arrêter. Dès que j'aurai ouvert ce petit tonneau, vous verrez. Crocha, à toi l'honneur. Regardez bien, voici mon dispositif. Un papier, ce sont sûrement les instructions. Touchez pas à mon précieux trésor. Signé un Donkey Kong. Oh mais oui, c'était bien mon trésor. Je l'avais caché et mis la carte dans une bouteille. Et tu t'en es pas souvenu? C'était il y a très longtemps, Didi. J'étais encore un petit gorille. Je jouais aux pirates et j'avais caché ce que j'avais de plus précieux. Ce qu'il avait de plus précieux? Ben oui, des bananes. Et elles sont là-dedans depuis combien de temps? Oh, c'est dégoûtant. Oh. Je crois qu'il y a quand même un point positif dans cette histoire. Je vais enfin pouvoir me débarrasser de Donkey Kong une fois pour toutes. Bon sang, laissez-moi sortir, j'étouffe.
Qu'est-ce que vous attendez pour me sortir de là? Que je prenne racine? Cranky? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais ici? C'est plutôt à moi de poser la question, à vous tous. Non, je sais, vous êtes là pour me gâcher mes vacances, c'est ça, hein? D'abord les abeilles, ensuite les fourmis, maintenant vous et les crocodiles sans cervelle. C'est la cerise sur le gâteau. Tu veux bien t'occuper d'eux, Croucha? J'ai vraiment eu une journée fatigante, vous savez. Ne te gêne pas. Bois un coup. C'est plutôt pétillant, est-ce que tu ne trouves pas? Attendez-moi, j'arrive, votre ignominie, attendez! Oh, et où tu vas, Cranky? À la maison, pour enfin avoir la paix. Non, mais on croit rêver. C'est dommage, j'aurais bien aimé racheter l'usine de Tonneau. Et moi, j'aurais tellement voulu te l'offrir, Candy. Mais qui a besoin d'argent quand on a l'amour? Oh. Ah, c'est si romantique! Oh, beurre! Waouh, si ça se trouve, Karou l'a anéanti Congo Bongo. Mais qu'est-ce qu'on va faire? La seule chose à faire, on va attendre que quelqu'un nous fasse sortir de là-dessous. Oui, mais ça risque d'être très très long. Comme ça, on va pouvoir faire connaissance. Par exemple, tu pourrais me dire quelle est ta chanson préférée et on la chanterait ensemble. Laissez-moi sortir! Je veux sortir d'ici! Au secours! Je suis avec un fou! Au secours!